La première partie qui est la séparation. Il y a la deuxième partie qui est la consécration. Vous savez, les ustensiles qui étaient sanctifiés dans le temple, ils étaient séparés des autres ustensiles. Tu ne pouvais pas utiliser ces fourchettes-là pour préparer la nourriture à la maison. Tu ne pouvais pas utiliser ces couteaux-là pour couper ta viande. C'était des outils qui étaient séparés des autres outils. Mais non seulement ils étaient séparés, mais ils étaient consacrés. Ils étaient utilisés uniquement pour le service dans le temple. Donc si Dieu va t'utiliser, ça va d'abord prendre que tu te sépares. Mais non pas juste pour te séparer, mais pour te consacrer. Je m'habille de cette manière parce que je veux être consacré à Dieu. Je parle de cette manière parce que je veux être consacré à Dieu. Je suis un sacrificateur du Seigneur. Et je veux que Dieu l'utilise. Amen. Donc numéro 1, sanctification. Tout le monde dit sanctification. La deuxième des choses, si tu veux que Dieu t'utilise, c'est que tu dois apprendre à devenir un adorateur. Vous savez, le diable va s'assurer de te lancer des flèches. C'est le jour que tu décides de servir le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici, ça fait longtemps qu'ils servent le Seigneur. Mais si tu regardes ta vie et que tu compares avant que tu serves le Seigneur et après que tu serves le Seigneur, si tu es comme moi, tu vas réaliser qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont venus après. Amen. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a des problèmes. Si je commence, je ne vais pas commencer à prendre le temps de citer tous les problèmes ici. Amen. Et chacun a ses problèmes. Amen. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu veux être utilisé par le Seigneur, les problèmes vont venir. Le diable va t'attaquer.